Édition LC vous présente un extrait du livre « Le supplice des sentiments ». Comme un dernier message à Corinne. Ouvrir les yeux sur un matin trop clair, dont la morne lumière ne parvient pas à réchauffer le sang de mes artères, aussi froide qu'un cœur où rien ne bat, le temps lui-même laisse s'écouler, dans un silence presque coupable, des heures d'absence dans le sablier. À la vive douleur qui m'accable, car voilà, tu es parti sans un cri, à l'orée de cette célébration, pour cette femme qui m'a donné vie et dont je n'ai plus aucune affection. Aussi, j'y vois là, ultime clin d'œil, comme un dernier message à mon endroit que tu m'envoies, pour soulager mon deuil. Chaque année, la fête sera pour toi. Va rejoindre les poussières d'étoiles. Grâce à toi, il reste encore des braises dans son cœur meurtri couvert de toile qu'un souffle peut changer en fournaise. Mon fils, je n'aurai pas la prétention de dire que c'est moi, mon garçon, qui ai construit ce que je vois, ce que je lis, ce que je crois. Je t'ai donné l'éducation et l'instruction de la nation. Mais ce n'était que des outils. Tu t'es forgé, tu as grandi. Mon fils, ce morceau de terre glaise devenu ne m'en déplaise, un homme, plus que je ne suis, et une fierté de ma vie. Ce qu'il me reste maintenant, c'est le plaisir de voir aller tes pas sur ton propre sentier, car ton futur et mon présent. Ce livre vous intéresse ? N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web éditionlc.fr.